Wesh! Aujourd'hui, on va parler d'une communauté de femmes, et plus précisément les femmes de ma communauté. Les beurettes! Quand le terme beurette est apparu, il était quand même assez inoffensif. Il s'appuie un peu que sur les politiques de respectabilité, ce qui est quand même déjà assez lourd. Beurette, c'est une façon péjorative en fait de qualifier les femmes arabes. En tant que femme d'origine maghrébine, avec des racines ch'tis, née en France, etc. Je ne me reconnais pas du tout dans ce terme. Donc c'est un terme à la fois raciste et sexiste. Pour moi, c'est aussi violent que le mot négresse. Pendant longtemps, on disait d'elles qu'elles étaient des Françaises d'origine maghrébine. Mais l'époque, la mode et la manie d'aller très vite ne se satisfaisaient pas de cette appellation trop longue. Alors on a imaginé autre chose. Elles étaient arabes, c'est-à-dire beurre en verlan. C'est ainsi qu'elles sont devenues beurettes. C'est, on imagine qu'elles ont toutes les mêmes caractères, qu'elles sont toutes les mêmes, mais j'ai pas eu la même éducation peut-être que Fatima ou que Aïcha ou que machin. Enfin, on a des vies différentes. Et c'est pareil, j'imagine que dans la famille de Micheline et Jean-Jacques, ils n'ont pas les mêmes habitudes que dans la famille de Philippe et Nathalie, quoi. Enfin, moi aussi, je peux imaginer que sur chaque table des Français, il y a une bouteille de vin, de pinard, le matin, le midi et le soir, avec la baguette et le sauciflard. La beurette, c'est celle qui va à l'école, qui, pendant que son frère fait des roues arrière et vend du cannabis en bas du bâtiment, va remplir les feuilles d'impôt de ses parents. C'était l'élément qui allait pouvoir intégrer sa famille un petit peu à la République, lui transmettre les codes de la République, le fait d'être alphabétisé. La laïcité, par exemple, aussi, ça passait souvent par la jeune fille. C'était celle qui, dans les romans des années 90-2000, renonçait le plus rapidement à la religion. Et à l'époque, les jeunes beurettes, on disait ça, enfin, vous vous en souvenez, on est de la même génération. Les filles, tu te disais, elle est mignonne, est-ce que tu allais sortir avec elle ou pas ? Aujourd'hui, tu vas à la Devèze, 70% des filles sont voilées. Après, il y a une espèce de glissement sémantique à partir des années 2000, au moment du boom du porno en Europe, en Occident, avec toute une reprise des narrations traditionnelles du 18e, 19e siècle. Tout un récit autour de la jeune femme maghrébine, hyper sexualisée tout en étant naïve. Un petit peu la Lolita, tu vois, qui était inaccessible du fait qu'elle était dominée par son père, par son frère, qu'elle était dans un harem, un peu comme dans les lettres persanes, et qui allait être dévoilée de force par l'homme blanc, qui était forcément blanc, qui allait tout de suite basculer de cette jeune fille inaccessible à cette beurette hyper sexualisée, à la sexualité seulement intéressée. Il n'y a pas un seul moment où elle va pouvoir se saisir de sa sexualité comme une blanche pourrait le faire. Vous connaissez pas une gonzesse plutôt mignonne, Salia, qui se la joue Gaori, bâtiment C? Qu'est-ce que tu lui veux? C'est pas à toi que je parle. Tu sais où est Crèche? Mais qu'est-ce que tu te la pètes, Marlon Brando, là? C'est ma soeur que tu cherches, enculé. Alors si t'as pas dégagé dans les 5 minutes qui suivent toi et tes deux singes, je te nique ta sale race de fils de pute. On baisse d'attente tout de suite, les mecs. Tu vois, mon pote, là, c'est un ouf. Il sort de centrale, il a fait 10 ans, il a perdu le mode d'emploi. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Cousin, faut que tu comprennes, ta sœur c'était ma meuf. Et je lui ai offert des bijoux, et pas de la dope de chez les bougnoules. Maintenant, il se trouve qu'elle sort avec un patériette, un Céfran, un dénommé Christophe. Maintenant tu trompes ma soeur, sans pas que des Céfrons, maintenant tu t'arraches tout et tes potes. Pour moi, une beurette, c'était une fille arabe. Je connaissais pas le côté négatif de beurette. Ensuite, c'est quand je suis arrivé à Lyon pour mes études d'art appliqué que là, on m'a vraiment dit ce que c'était qu'une beurette. Louboutin acheté en solde chez Barbès. Jean, Zara, noir tendu. Haut en satin acheté au marché de Créteil. Col clouté, Bricorama. Donc c'est vraiment la caricature de la fille qui passe tout le temps en chicha, qui est tout le temps habillée plus ou moins vulgairement, qui met une tonne d'autobronzant. Surmaquillée, enfin, genre orange quoi, qui aime bien se faire remarquer et qui généralement a des mœurs un peu légères. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Oui, parlons de la beurette évidemment, la beurette qui va à Marrakech grâce à son finco et Cofidis. Et dès qu'elle arrive là-bas, elle fait la Rothschild. Elle descend au Sheraton, au Golden Tulip, alors que t'habites 12 boulevard Lénine. Généralement, ces beurettes-là, à Marrakech ou autres, tu les reconnais parce que tu les identifies, c'est des PVTI. Oui, pute volante très identifiée. La première fois qu'on m'a traité de beurette, c'était au collège. Il me semble, c'est quand j'ai commencé un peu à me maquiller, à m'habiller de manière un peu plus féminine, vers mes 13-14 ans.
Et plus j'avançais, plus j'entendais ce terme avec une connotation un peu insultante, sans jamais réussir à mettre le doigt sur ce qui était insultant. Jusqu'au jour, ça a été un prof d'anglais qui m'a dit que je prenais pas très bien soin de moi et que du coup, je faisais un peu beurette négligée. C'est là où j'ai commencé à vouloir comprendre ce que le mot désignait et tous les ressorts insultants derrière. On ne l'a jamais sorti comme ça en face. Mais c'est vrai que comme je suis très active sur Twitter, en gros, les personnes qui veulent me discréditer ou qui veulent m'atteindre me mentionnent en me traitant de beurette. Donc c'est toujours péjoratif, quoi. Donc c'est soit quelqu'un qui va estimer que je suis pas assez bonne musulmane, ou soit c'est quelqu'un qui va vouloir me rabaisser, quoi. Et ça peut être utilisé autant par des personnes blanches que par des personnes racisées. Par exemple, quand il y avait une femme d'origine maghrébine qui accédait à un poste à responsabilité dans le gouvernement. Les affaires de Paris, ça rejaillit sur toute la France, parce que même si Paris n'est pas la France, il n'en demeure pas moins que ce qui se passe à Paris fait désordre. La droite populaire soutient les beurettes en difficulté. Comment elle a fait l'actualité, Rachida Dati? De quoi on parlait? On parlait de ses achats Hermès, Louboutin, etc. Et puis il y a eu aussi cette fameuse histoire où elle n'a pas voulu dire le nom du père de son enfant et tout le monde dit « Oui, mais c'est parce qu'elle ne le sait pas, c'est parce qu'elle a forcément couché avec tout le monde ou quoi que ce soit. » Enfin, moi, ça m'a mis... Elle a juste pas envie de donner l'identité du père de son enfant, c'est tout. Moi, je vous demande des choses sur votre vie privée. Non. Je pense que ça serait pas brillant. Ouf. Elle n'est pas en couple, si elle a décidé d'avoir un enfant, c'est son problème, parce qu'elle est indépendante, c'est tout. Ah, vous n'en savez rien. Bah justement. C'est dans les journaux. Non, mais parce que la vôtre, elle n'est pas dans les journaux. Moi, la mienne, en tous les cas, on essaye effectivement d'y entrer par tous les moyens. Moi, je ne donne pas prise à cela. Celles qui sont le plus médiatisées, c'est Nabila et Zaya. N'importe quelle autre fille d'origine maghrébine qu'on voit à la télé, c'est toujours une espèce de bimbo sans cervelle. Et du coup, dans l'inconscient collectif, cette image est restée. Et c'est pour ça que tout le monde la reprend au final. Je cherche les filles arabes modèles. Leïla Bekti, peut-être. Ouais, Leïla Bekti, tu vois. Leïla Bekti, oui. Mais je dis ça parce que je ne suis pas du tout honnête, parce que je trouve que c'est la plus belle femme du monde. On ne met pas trop en avant ce genre de filles en disant « Regardez les filles, ce que vous pouvez faire, vous pouvez être des working girls, vous pouvez... » Ça passe pas que par votre physique, tu vois, ça passe aussi par vos talents. Vous pouvez devenir dessinatrice, poète. Comme je te disais, j'ai une fan qui est une fille arabe voilée, poète, fan de métal, tu vois. On la voit pas à la télé. Moi, je pense qu'il y a aussi une grande responsabilité de tout ce qui est campagne marketing, publicitaire, mais aussi médias, communication. Toutes ces personnes-là ont une responsabilité dans cette image de la femme arabe, quoi. Dieu, je veux Alain Chicha, Alain Chicha. Je ne peux pas, je veux Alain Chicha. Dieu, je veux Alain Chicha pour les beurettes. Si tu voles les gros je nous sais que j'ai pris Hajar dans la putette. Je pense qu'il y a un fantasme de la fille maghrébine. Tu vois, c'est la fille qui, techniquement, avoue pas qu'elle peut avoir des mœurs légères. Et du coup, toi, il y a ce côté un peu fantasme de la fille qui se préserve, mais en fait, qui a trop envie de passer à l'acte et qui, dans son intimité, est une fille super hot et tout, tu vois. Quand tu regardes les statistiques des sites pornographiques en France, le terme qui ressort le plus, c'est « beurette ». Après, c'est vrai qu'elles sont jolies, hein, encore une fois, c'est vrai. Bon. On m'appelle l'Oriental, au regard fatal. On m'appelle l'Oriental, la sentimentale. Les choufni, el bouyichal, les arrofni, wallah yassal. Pourtant, je ne fais pas de mal. On m'appelle l'Oriental. Tout ce qui se trouve
trouve derrière la beurette, la volonté de la dévoiler, la volonté de la salir un petit peu pour qu'elle bascule directement dans cette hypersexualité, c'est quelque chose qui était très présent. À chaque fois qu'on envoyait des soldats français au Maghreb dans leur missive pour essayer de convaincre leurs soldats de venir au Maghreb, tu trouvais « venez en Algérie, venez au Maroc, il y a des terres, il y a des femmes ». Ça veut dire que la femme maghrébine, c'est le prolongement des terres à coloniser. La bédouine et le tuba, chansonnette arabe, chantée par Charlus, c'est pas tes frères. C'est un territoire à conquérir comme un autre. Quand nous partîmes en colonne, contre les bénis du Kuala, la bédouine me servait de bonne, moi je faisais mon petit pacha. Je portais l'instrument de musique, elle portait mon fourniment, et tout ce qu'il faut pour qu'on s'astique, quand nous serions au campement. Puis quand venait la nuit africaine, étendue sous le firmament, je disais à la marocaine, joue donc, tu vois bien que je t'attends. Trr, 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 jolie bédouine, trr, 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 prends mon tuba, trr, 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 courbe les chines, trr, 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 souffle comme ça, trr, 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 cette bédouine n'était pas plus haute que ça. Petite taille de gamine, les jambes trop courtes et le tuba. Je pense que les politiques, enfin les ambitions coloniales, d'un point de vue individuel, sont pas forcément présentes. Je pense que personne dans la rue à l'heure actuelle a forcément envie de que l'Algérie redevienne française. Autant tous les fantasmes coloniaux sont toujours présents. Toute la narration de la femme maghrébine sauvage, mais timide, un petit peu farouche, c'est quelque chose que tu trouves même, et surtout d'ailleurs, chez les dominants. C'est ce que tu vas entendre de la bouche d'hommes blancs extrêmement favorisés, avec toute cette espèce de déshumanisation hyper avilissante, cette volonté de ne voir en toi que ton appartenance ethnique, avec des phrases comme « Ah, j'ai jamais essayé avec une maghrébine », tu vois. Avec un espèce de des raccourcis qui ont l'air parfois inoffensifs. Par exemple, « Ah, mais je suppose que tes parents ne veulent pas que tu rentres trop tard chez toi. » Mais au final, c'est des ressorts qui sont extrêmement douloureux, qui sont encore pernicieux et qui nous empêchent, qui sont un peu la partie découverte de l'iceberg, d'un iceberg de répression systémique, tu vois, de racisme à l'échelle sociétale. J'adorais ton brun visage et ton rire un peu sauvage, d'enfant farouche et docile tour à tour. Quand tu chantais pour me plaire, puis dansais à ta manière, et je te disais plus épris chaque jour. Mon égyptienne, aux yeux des veines, je ne t'oublierai jamais, toi, moi. Si tout mon être a dû connaître l'amour le plus beau, c'est grâce à toi. Moi, j'aimerais qu'on me désigne comme une femme de mon âge, normale. Après, oui, je suis d'origine algérienne, effectivement, je suis musulmane, mais il y a beaucoup de diversité en France, et enfin, moi, je fais partie des couches de la population française, quoi, comme tout le monde, en fait. Si tu veux me qualifier, tu vas être encore plus précis. Tu dis que, je sais pas, je suis une trentenaire parisienne, ch'ti et d'origine kabyle, voilà. J'aimerais bien proclamer mon individualité, tu vois. J'aimerais bien qu'avant de dire que je suis une femme maghrébine, qu'on dise que je fais telles études ou que je m'intéresse à tel débat ou qu'on avance des traits de personnalité. Arte Radio. En attendant, juste se contenter de dire que je suis une femme, c'est déjà très bien, sans forcément m'attribuer des adjectifs, même s'ils semblent un petit peu affectifs. Point. Comme.